Bonsoir mes amis et bienvenue pour votre chaîne YouTube de votre consultant hippique. Pour notre vendredi 22 mai, notre caté aura lieu sur l'hippodrome de Montcanchy et non à Vincennes, car en ce moment les courses ont été par un décret. Voilà, il n'y a plus de caté en zone rouge, on dégage en zone verte. Donc voilà. Et notre caté de demain aura lieu dans la Réunion 1, course 3, distance 2150 mètres, départ 18 h. Mais très peu de partants, 13. Ne vous attendez pas à bons et merveilles au niveau des rapports, car je pense que tout le monde aura la même sélection. Donc, mon cheval du jour sera le 1, Chica de Joud. Elle ne fut déférée que des 4 pieds que 5 fois. Et de cette façon, elle a terminé 4e de l'Amérique. Donc, c'est un bon point d'appui, je pense. Donc voilà, il devrait être largement d'un coup dans le tiercé, dans le quartier, voire la gagne. Ensuite, je lui oppose le 7 d'Orgueuse de Guay. Ce sera l'opposition directe à mon cheval du jour. Il a peaufiné sa forme dernièrement, gare à lui pour une place de choix de notre quartier. Ensuite, le 3 Détroit Castellet. Il a gagné déjà à Montcanchy, deuxième de cette course en 2019. Il va défendre chèrement ses chances dans notre caté. Voilà, peu de partant, mais bon, on verra bien. Hein. Ma quatrième base sera le 6 Eridan, qui sera lui mon coup de cœur, avec Eric Raffin, bien sûr. Ce vainqueur de groupe 1, ce sera, je pense, en plus drivé par Eric Raffin, et en plus, il affiche 100% dans cette épreuve. Donc là, je pense que c'est aussi un très 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 bon point d'appui. Donc là, vous avez là mes quatre bases, le As, le 7, le 3 et le 6. Ensuite, j'arrive à la deuxième partie de mon pronostic. Le 4, Cléif de Pomereux. Le fait de changer d'hippodrome pour ce cheval, de passer à Vincennes, à Montcanchy, ne sera pas pour lui déplaire, bien au contraire. Et en plus, il est drivé par un homme qui est en très très grande forme en ce moment. Donc voilà. Ensuite, le 12, Elvis du Wallon. Lui, il n'a jamais déçu. Il devrait être encore dans le coup. Le 10, Express Jet. Ce sera mon coup de folie pour demain. Il est rarement déféré, même en seconde ligne. Il faut s'en méfier pour une belle cote, pour une quatrième, cinquième place. Ensuite, mon coup de poker pour demain sera le 2, Cobra Bleu. Ce sera, voilà, pour faire afficher, pourquoi pas, une cote sympa dans ce quartier qui, a priori, est facile, mais après, il faut trouver l'ordre. Avec 13 partants, voilà les aléas. En cas de non partant, rajoutez le 13. Donc, mon cheval du jour, le 1, B2 sur 4, As 7, 3. Je répète ma sélection, le 1, le 7, le 3, le 6, le 4, le 12, le 10, le 2. Voilà, donc ensuite, bah, vous retrouvez ma sélection détaillée sur mon blog, le lien que je mets tout le temps. Comme ça, vous aurez temps de voir la vidéo, etc. Donc, bah, le débrief de notre caté de ce jeudi. Pronostic, je vous ai donné le tiercé dans le désordre en 8. Dommage pour le caté, il me manque le 3. Donc, vous allez avoir pas mal de tutoriels qui vont arriver pour vous expliquer pas mal de choses. De ce côté-là. Donc je vous dis encore merci à vous toutes et tous pour votre fidélité à ma toute jeune chaîne YouTube qui ne cesse de progresser. Hein. On va y aller pas à pas, hein, comme je l'ai déjà dit. Et voilà. Donc je vous dis à très vite pour des pronostics avec Squall Lançois, le pharaon des courses. Et surtout, n'oubliez pas de me retrouver sur mes radios, la 16.fr. Radio Pays Occitanie, Radio Dani, Radio Maximum et la Radio Agora. Et surtout, en plus, ma dernière minute que j'ai donnée sur ma chaîne YouTube aujourd'hui est arrivée à une belle deuxième place. À demain pour ma dernière minute.